Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration Ujjayi, qui veut dire respiration victorieuse et qui aide au bien-être corporel et mental. Alors reste avec moi, c'est juste après l'intro. Selon les croyances hindoues, chaque individu naît avec une réserve de nectar de l'immortalité, localisée au centre de la gorge. Cette réserve s'épuise peu à peu tout au long de notre vie, lors de chaque souffle. Ralentir notre respiration permettrait d'économiser cette réserve et donc d'allonger le cours de nos vies. Un des buts principaux de cette respiration. Ce pranayama peut être pratiqué assis ou allongé. Il permet aussi de ralentir le cœur et de le purifier, mais aussi de réchauffer le corps et de gagner en souplesse si l'on veut pratiquer des postures de yoga sans se blesser. Et elle permet aussi d'éliminer l'accumulation d'acide lactique dans les muscles. Elle augmente les échanges gazeux dans le sang, elle permet d'abaisser le cortisol et d'assouplir le diaphragme. Ujjayi agit également sur le nerf vague grâce à la contraction de la gorge et aux vibrations du larynx. Elle régule le système parasympathique, régule la thyroïde, améliore le sommeil et améliore la concentration. C'est une respiration assez lente et diaphragmatique qui se fait uniquement par le nez. On peut la reconnaître au niveau du son qui est assez rauque, qu'on peut comparer à des vagues ou même à la respiration de Darth Vader. Cet effet sonore est dû à la fermeture de la glotte à l'arrière de la gorge. Passons maintenant à la pratique. Allongez-vous ou asseyez-vous dans une position confortable. La position Vajrasana peut être intéressante, tout comme la position du lotus. L'important étant d'avoir le dos droit. Vous pouvez vous adosser à un mur si vous le souhaitez. Fermez les yeux, votre corps relaxé, les épaules relâchées. Si vous êtes allongé, relâchez toutes les tensions de votre corps. À présent, respirez par le nez en gonflant le diaphragme et en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Amenez votre attention sur cette respiration. Autorisez-vous à adopter une respiration à la fois calme, lente mais rythmée. Après quelques cycles de respiration calme, amenez votre attention à votre gorge. Tout en gardant une respiration nasale, imaginez ou sentez que l'air transite au niveau de la gorge et non du nez. Tandis que votre respiration ralentit et devient plus profonde, contractez légèrement votre glotte. Cela donne un doux sifflement semblable au bruit des vagues s'échouant sur une plage ou aux respirations d'un bébé. Point d'importance, vous seul devez entendre les respirations. Elles ne doivent pas être audibles pour les personnes alentour. Si vous êtes débutant, commencez par le faire 5 minutes, sinon vous pouvez la faire plus longtemps si vous le souhaitez. Voilà pour cette respiration Ujjayi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et me laisser éventuellement un commentaire si vous voulez échanger, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas de respirer, de bouger, de garder le moral et un esprit positif. À bientôt.